On y était une fois allé avec les garçons, les petits-fils là, qui sont en Haute-Saône, qui étaient tout gamins à l'époque. Et puis la carrière d'argile était toujours en exploitation. Et puis il y a des endroits, vous savez, ça fait des espèces de flaques.
y a de l'eau qui reste là-dedans, et puis l'argile, évidemment, ça faisait une belle boue bien grasse. Ah, il s'était plongé là-dedans, délicieux. C'était vraiment le bain de boue. Ah, mais ça fait du bien l'argile pour la peau. Ah oui. Oui. Ben, les potiers autrefois avaient des remèdes comme ça avec les argiles. Ouais. Mais t'as l'assaut là. Il y a notamment, dans une certaine couche, ils appellent ça l'argile verte. C'est une argile qui contient du soufre. Et c'est excellent pour les ulcères, les maladies de la peau, etc. Ouais. Donc les potiers l'utilisaient. Et ça se vend maintenant. Ouais. Ça se vend dans les boutiques l'argile verte, boutiques spécialisées bio, enfin, etc. Ouais, ouais. Et je me souviens, là, justement, la bâtisse à Moutier, où il y a donc un four encore, un ancien four, qui a été cuit en 1982. Ils ont réussi à le réchauffer parce qu'il faut une quantité de bois, hein, pour cuire ça. Il faut le remplir aussi, il faut avoir assez de peau, hein, 70 mètres cubes. Donc il y a beaucoup de jeunes potiers qui s'intéressaient de refaire une cuisson dans un truc comme ça pour voir. Et il y avait des pots qui étaient faits avec ces argiles-là, et alors ça empestait le soufre. Et à un moment de la cuisson, au moment où le soufre a commencé à brûler, à se dégager de l'argile, alors... Une infection. Voilà. Il est possible qu'il y ait des rajoutures là-dessus. Ouais, c'est déjà pas mal dur. C'est bon. Donc on va laisser ça bien sécher.
ça va certainement rester comme ça. Mais il est possible que je... Quelquefois, je rajoute du sable comme ça pour avoir une matière en fond. Là, je vais sûrement rajouter un peu quelque chose.
c'est ses mains. Et ses doigts. Ouais, bien. Et puis alors, tu fais l'autre. Mais fume des grandes branches. Eh bien. Il y en a des deux côtés du branche. Hein? Victor Alpha 2, Papa Whisky, Fox 5, novembre, India, India. Bonjour, mes bonnes amitiés, heureux de vous entendre. Et je n'ai pas résisté au plaisir de vous appeler. Vous arrivez très costaud ici. 59 plus 20, c'est entre plus 20 et plus 30. Hein. On ne peut pas demander mieux, Pierre. Hein. Je crois que c'est Pierre, hein, le prénom, hein, à Trois-Rivières. Hein. Ici, le prénom, c'est Marcel. Marcel, LQTH, dans le département de Lyon, le département 89. À côté de la ville d'Auxerre, à côté de la ville d'Auxerre, qui est le chef-lieu du département. Voilà, je trafique avec un TS-440, avec 100 watts, dans une 3 éléments. Victor Alpha 2, Papa Whisky, Fox 5, novembre, India, India, à votre écoute. Oui, Victor Alpha 2, Papa Whisky, F5, novembre, India, India. Et QSL, Pierre, pour toutes tes conditions, là, superbe. Hein. Superbe modulation également, et vraiment, ça cartonne. Hein. Ouais, c'est vraiment plus que confortable. Hein. Voilà, donc, ici, dans le département de Lyon, eh bien, c'est l'hiver qui s'annonce, mais enfin, c'est pas comme chez toi, hein. Ah oui, c'est impressionnant, hein. C'est une masse comme ça qui arrive à 1300 degrés, c'est tout blanc là-dedans. Hein. C'est... Puis alors ça gronde, ça. C'est... Puis alors, donc il faut balancer du bois en permanence. Hein. Alors, il y a une espèce d'aspiration comme ça qui se. C'est monstrueux, c'est... on a l'impression d'une espèce de monstre. De vivant. Ah oui, oui, c'est... Il y a une espèce de respiration comme ça. Toutes les 2-3 secondes, il y a. Ça, on a l'impression que ça aspire une quantité d'oxygène énorme hein, par la gueule du four. Hein. Parce que à la fin, ce qu'ils appellent le grand feu, on brûle 3 à 4 000 fagots. Hein. Et on lance un fagot toutes les 2 secondes à peu près. Il part tout de suite. Ah oui, c'est... Et c'est, ça arrive, c'est tout blanc. Hein. Tous les pots, on aperçoit les piles de pots, parce qu'il y a des petits regards pour voir, hein, parce que les potiers se repéraient beaucoup à la couleur aussi. Ouais, à la couleur. Et alors, tout est tout blanc là-dedans. Hein. La masse de pots, tout, on voit plus rien. Au début, ça commence à être rouge sombre, ça rougit, on voit encore la forme des pots, puis alors à la fin, c'est tout blanc, ça... Ouais, ah oui, la cuisson du grain, c'est impressionnant. 1300 degrés, c'est quelque chose. Hein. C'est pour ça que, d'abord, on ne peut pas faire du grain avec n'importe quelle argile. Hein. Vous avez des argiles à 1300 degrés, elles fondent. Hein.
faut pas se tromper quand on tourne le pot, faut prendre de la bonne argile. Hein. Parce que si on prend de l'argile pour faire de la terre cuite, on peut retrouver un tas informe. Ouais. La collerette, ouais, c'est bon, alors pot trompeur, cours de mariage, les grèves de cuisette, et puis là, il arrive ici, bonbonne 18e, munition en 1, bonbonne 19e, c'est bon. Je sais pas parce que. Non. Faut. Non. Si, si, faut, la, faut les sortir. Par rapport à ici, là, ça faut les sortir un peu, ouais. Faut pousser là un peu. Il faut pousser un peu la pression ici. Voilà. Ah, faut laisser ouais. Un peu d'espace, ouais. Hein. Ah oui, voilà, c'est mieux là. C'est mieux comme ça. On va les mettre juste en angle. Là. Là, ça ne vous ennuie pas qu'on les mette un peu à la diagonale. Ah, là, ça casse un peu avec la. Non, non, mais faut, de toute façon, ça n'allait pas l'histoire de diagonale. Là. C'était une idée qui a marché une première fois, mais comme toutes les idées qui marchent une fois, elles ne marchent pas forcément la seconde.
aussi de toutes ces, comment dire, de tous ces apports de maintien qui ont la pièce dans son histoire personnelle. Donc là, il y a aussi, ce serait une grande bande rouge. Bon, vous voyez là, ça représente le champ, le labour, la semence, la graine, le personnage qui célèbre la graine. On a, voilà, c'est un petit peu tout ce qui s'appelle le réducteur, donc c'est un hommage à la graine. Et effectivement, ces graines bora, c'est à la fois pour nourrir la couleur, mais aussi pour nourrir l'histoire de la pièce. D'accord. C'est pas, il y a du sable, non. Ouais. Moi, j'utilise aussi beaucoup ça. Alors c'est pareil, je ramasse du sable un peu partout. Partout où je passe, je ramasse du sable. Je vais en Bretagne, je ramasse du sable. Au Maroc, je ramasse du sable, etc. Je m'en apporte aussi. J'ai eu une période d'ailleurs beaucoup plus, disons, entre guillemets, matiériste qu'en ce moment. Et là, ça fait longtemps que vous pouvez donner tout votre temps à la peinture. Depuis 70. Donc, il va bien tout en chemin. Ça fait trop longtemps. Pourquoi vous dites ça? Ça fait jamais. Oui, je crois que je m'en attends jamais. Je plaisante, bien sûr. Mais oui, ça, c'est une longue route, quoi. Vous employez les mêmes mots. Route, parcours, chemin. Ouais. Mais déjà, dans la Chine ancienne, on avait remarqué que les peintres vivaient vieux. C'est un ocre que je récupère du côté de... Ouais. Du côté de... Très jaune, hein. Dans le centre, dans le Cher, là, vers Saint-Amandon. Très beau. Alors c'est exploité aussi, l'exploitation a cessé vers 1850. Et j'ai profité de travaux dans le village, de terrassements pour construire des pavillons où les engins avaient remonté de superbes tranches d'ocre jaune. Et qui est plus clair que le nôtre. Ça, c'est de la diorite qui vient du Maroc. C'est ce bleu-là Non, ça, c'est du cobalt, pardon. Ah oui, oui. Oh, oui. J'avais lu une étude en Cézanne que l'impressionnisme, c'est-à-dire la peinture sur paysage, avait été possible à partir du moment où on a pu trouver la couleur en tube. Parce qu'avant, il fallait peindre à l'intérieur des ateliers. Et on ne pouvait pas importer la couleur. C'est bien le film. Ces couleurs-là, on les retrouve dans les peintures murales, mais dans les châteaux. Ou alors dans les édifices religieux, mais qui étaient sous la protection de grands seigneurs, quoi, qui avaient les moyens de financer de payer des pigments comme ça très, très cher, parce qu'autrement, il y a beaucoup de peintures murales par ici, dans les petites églises paroissiales, ces peintures aux ocres. Ah, oui, on est allé voir les dernières, la danse macabre à la Ferté. Oui. Je voulais vous emmener à Moutier. Parce que c'est des pigments qu'on avait sur place qui ne coûtaient pas cher, parce que les paroisses n'étaient pas riches. Pourquoi ces peintures-là ont gardé leur fraîcheur? Parce qu'elles sont justement, précisément, elles ne sont pas peintes à l'huile. Les peintures des 14e, 15e, même 16e. Le 16e, on commence un peu
à mettre du gras. Hein. Enfin bon. Mais les pigments sont restés parce que la caractéristique des terres, c'est que ce sont des pigments très fixes qui ne sont pas détériorés par la lumière, par les ultraviolets. Et en plus, comme ils étaient liés avec des cols, alors les Italiens ont inventé toutes sortes de recettes de colle, hein. Ils allaient jusqu'à faire de la colle avec des macérations de copeaux de figuier. Ils utilisaient des gommes d'arbres aussi, bon, la gomme arabique bien sûr, mais des gommes qu'on a sur des cerisiers ou des pêchers, oui. Mm-hmm. Ça, on peut la faire fondre, l'épurer et peindre avec. Et le fait que ça soit peint à la colle, la conservation est bien meilleure que l'huile. Moi, je dis toujours, on n'aurait jamais dû commencer à peindre à l'huile, c'était une trop mauvaise idée. Alors, vous avez à Saint-Fargeau, par contre, vous avez une petite chapelle dans le cimetière, et qui, elle, est peinte sur tout le pourtour, à l'intérieur, avec des scènes très multicolores, comme ça, il y a du bleu, il y a du vert, parce que c'est le châtain de Saint-Fargeau qui a payé la décoration. Mais dans les paroisses, par contre, surtout en Puisaye, qui est un pays pauvre, une région de bocage où il y avait très peu de rendement, hein, la région de Ratilly, par exemple, là, c'est une région très bocagère, très, très, très typique de Puisaye, et où il y a très peu de culture, en fait, où quand il y en avait, elle ne rapportait pas grand-chose, parce que donc les paroisses étaient très pauvres. Donc on pouvait se payer des peintures, mais avec les pigments locaux. Et en fait, je me suis mis à peindre à la colle et avec de l'ocre à cause des peintures murales des églises de la région. Mmh. Oui, parce que je voulais retrouver cet aspect mat, cet aspect matière aussi, et cet aspect de mur. Donc c'est pour ça en fait que en 64 j'ai laissé complètement tomber mes peintures à l'huile. Et j'ai commencé d'ailleurs par peindre avec du blanc d'œuf aussi. Mm-hmm. J'ai toujours des toiles par là qui sont peintes avec du blanc d'œuf. C'est ça la tempéra. La tempéra, oui. Mm-hmm. Mais il y a la tempéra à l'œuf, mais la tempéra en fait c'est la colle détrempée, quoi. C'est la détrempe, quoi. Mais quand j'ai peint la série sur Colette, là. J'ai écouté presque en boucle le quatuor en foi de Ravel, parce que pour moi c'est exactement l'illustration du texte de Colette. J'appartiens à un pays que j'ai quitté. Il y a exactement les mêmes phases du texte correspondent dans le quatuor, exactement les mêmes choses aussi. Je trouve que c'est même assez étonnant ça. Les correspondances manifestent. Chez Colette, il y a quand même des choses qui ont énormément d'importance, les couleurs, les odeurs. Et on retrouve ça dans le quatuor de Ravel. Et les sons des couleurs. Chez Colette, les couleurs ont des sons. Oui, absolument. Donc, et chez Ravel, le travail sur les timbres aussi, ce qui évoque les couleurs, donc il y a une correspondance. C'est beau cette phrase, j'appartiens à un pays que j'ai quitté. Ah oui, oui. Ah bah, c'est le début d'un texte magnifique. Musicalement, déjà aussi. Oui. C'est un texte magnifique sur sa région natale, sur la Puisaye. Le DVD que je vous ai donné, je crois que c'est un texte complètement inspiré. Mila Mikhaïl dit ce texte-là. Ah oui, c'est magnifique. C'est une espèce d'incantation comme ça. Oui. Ça, c'est le jardin noir de verdure. Vous savez, il parle d'un jardin noir de verdure sans fleurs. Quand vous avez passé cette série, vous avez tout relu, vous avez relu des textes que vous aimiez le plus? Ah, j'ai tout fait sur J'appartiens à un pays que j'ai quitté. D'accord. Ouais. Donc, il y avait le petit chemin jaune bordé de digital, la rose brûlant, etc. Je repars vers une période un peu silencieuse comme ça, parce que
Je peux avoir des choses très, très colorées comme ça et assez dynamiques, et puis revenir à des choses au contraire très peu colorées, très rêveuses comme ça, entre guillemets. Ouais, c'est bien, je vais pouvoir faire connaissance. Voilà. Mmh. Donc après, vous m'aurez à Benoît qui vous fera des explications très bien, de façon Pierre Pupier. On voit mieux le mouvement, oui. On n'est pas accroché par la peinture. Donc... Oui. Mais c'est autre chose, c'est complètement autre chose à ce moment-là. Ça a plus un aspect. Merci beaucoup. Voilà. Ça a plus un aspect. Là, ça prend un aspect plus graphique, dessin. Tu vois ? Dessin en relief. Mmh. Quoi. C'est le sable qui est en relief. Dessin en relief. Oui. La grosse, hein. C'est de la silice pure. Ah oui. Pratiquement à près, tout près de 100%. Ah, oui. C'est des sables, ça. C'est du sable, ah oui, oui. On trouve ça dans la. C'est de la silice. Hein. On trouve ça dans.
On va laisser mûrir un peu. Ça va sûrement encore évoluer un petit peu, mais enfin. Ça a pas mal avancé. Ouais, faut que je la retourne le long du mur et que je l'oublie un peu. Et puis après, il y a des choses qui vont me sauter aux yeux que je vois pas. Finalement, moi je viens vous parler de comment je peins, voilà. Si vous voulez, avec quoi, comment, éventuellement mes petits trucs techniques, etc. Mais en revanche, j'aurais du mal, puis je ne sais pas si j'ai pas envie de le faire, d'essayer de vous expliquer ce que j'ai cherché à faire. À dire, etc. Bah oui, je pense que. Non, non, mais je pense que la toile parle pour vous. Oui, exactement. Ouais, je pense que dans ce type d'expression, oui. Si vous êtes surréaliste, bon, on peut dire qu'effectivement vous avez peut-être des explications à donner, mais c'est pas le cas. Donc, on a l'impression que c'est. C'est le paysage qui rentre en vous. C'est difficile. En fait, je sais pas bien moi-même. Hein. Parce que là, ce que vous mettez sur la toile, c'est un peu votre sensibilité. Vous savez, je cite souvent le poète Francis Ponge. Qui a dit, mais quelle idée de demander à un artiste ce qu'il a voulu dire ou faire. Voilà, car n'est-il pas évident que s'il s'est exprimé de cette façon, c'est que précisément il ne pouvait le faire autrement. Absolument, c'est tout à l'heure, oui, tout à fait. Donc, oui, moi je m'exprime avec ma peinture, mais je ne peux pas l'exprimer autrement. Je peux vous expliquer comment je peins, c'est ça. Mais, dire que... Non, après, ce que vous pouvez peut-être nous dire, c'est si la recherche technique a une part dans votre créativité, ouais. Ou pas. Oui, parce que là, moi, bon, là, c'est le paysage qui nous rentre dedans. Enfin, bon, la façon dont vous transcrivez les paysages, enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Je ne sais pas si vous mettez autre chose que des paysages, mais. Oui, c'est un. Enfin, un rapport au monde, quoi. C'est un peu des paysages, mais en même temps, c'est aussi autre chose, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, un rapport au monde, mais dans les paysages, il y a une c'est plutôt une métaphysique, entre guillemets. Moi, je m'arrête de peindre quand j'ai l'impression que ma toile chante. Ouais. Voilà, quand il y a une espèce de musique qui... Ouais. Quelqu'un m'a dit hier, ça exprime une sérénité. C'est ça, au fond, oui. C'est ça. Mais je ne peux pas le définir comme ça. C'est... J'ai besoin de le faire. Ouais, c'est ça. J'ai besoin de le faire. C'est pour, je crois que je ne pourrais pas m'arrêter de peindre un jour. Quoi. C'est bien, hein? Tu fais un bisou? Elle est bien. Tu vois, elle est contente. Alors, vous prenez ça. Là, il y a un carrefour à 400 mètres à peu près. Ça, ça va vers l'autoroute, hein, vers la Ferté. Mm-hmm. La Ferté-Loupière. Et puis ça va à la Villotte, c'est une toute petite route, ça va à la Villotte. Et puis alors là, le carrefour même, vous avez une allée dans les bois. Alors vous prenez cette allée, vous pouvez même la prendre en voiture, et à un moment, vous avez un petit sentier qui s'en va, là, et la chapelle est là. Ah d'accord, il faut la trouver. Mais vous le repérez tout de suite, parce que c'est bien... Ah bon, d'accord. C'est fréquenté. Hein. Ah d'accord. Oui, ouais. Saint-Félix. Un jour, il y a des... En plein hiver, un matin, on se lève, il y a une belle couche de neige. On dit, on va faire un tour dans les bois, parce que
quand la neige est molle, ça colle sur toutes les branches, c'est magnifique. Hein. Mm-hmm. On dit, bon, ben, on va aller jusqu'à la chapelle. Eh bien, des gens étaient passés avant nous, déjà. À 9h du matin, en plein hiver, il y avait d'autres traces. Mais il passe plein de monde, en fait. Donc là-dedans, j'ai fait deux peintures. Oui, c'est ce qu'on vous a dit, oui. Le mur du chevet. Mm-hmm. Que je peins dans la tradition locale, donc c'est une peinture murale, c'est pas une fresque, hein. C'est peint sur un mur sec. Mm-hmm. Donc à la colle aussi, avec des ocres, uniquement avec des ocres, ocre jaune, ocre rouge. Je regrette aujourd'hui quelqu'un qui me posséda avant tous, avant toi, avant que je fusse une femme. J'appartiens à un pays que j'ai quitté. Tu ne peux empêcher qu'à cette heure s'y épanouisse au soleil toute une chevelure embaumée de forêt. Rien ne peut empêcher qu'à cette heure l'herbe profonde y noie le pied des arbres, d'un vert délicieux et apaisant de mon âme à soif. Viens, toi qui l'ignores, viens que je te dise tout bas. Le parfum des bois de mon pays égale la fraise et la rose. Tu jurerais, quand les taillis de ronces y sont en fleurs, qu'un fruit mûri on ne sait où. Là-bas, ici, tout près, un fruit insaisissable qu'on aspire en ouvrant les narines. Tu jurerais, quand l'automne pénètre et meurtrit les feuillages tombés, qu'une pomme trop mûre vient de choir. Et tu la cherches et tu la flaires, ici, là-bas, tout près. Et si tu passais en juin, entre les prairies fauchées, à l'heure où la lune ruisselle sur les meules rondes qui sont les dunes de mon pays, tu sentirais à leur parfum s'ouvrir ton cœur. Tu fermerais les yeux avec cette fierté grave dont tu voiles ta volupté, et tu laisserais tomber la tête avec un muet soupir. Et si tu arrivais un jour d'été dans mon pays, au fond d'un jardin que je connais, un jardin noir de verdure et sans fleurs, si tu regardais bleuir au lointain une montagne ronde où les cailloux, les papillons et les chardons se teignent du même azur mauve et poussiéreux, tu m'oublierais et tu t'assoirais là pour n'en plus bouger jusqu'au terme de ta vie. Il y a encore dans mon pays une vallée étroite comme un berceau, où le soir s'étire et flotte un fil de brouillard, un brouillard ténu, blanc, vivant, un gracieux spectre de brume couché sur l'air humide. Animé d'un lent mouvement d'onde, il se fond en lui-même et se fait tour à tour nuage, femme endormie, serpent langoureux, cheval à coups de chimère. Si tu restes trop tard penché vers lui sur l'étroite vallée, à boire l'air glacé qui porte ce brouillard vivant comme une âme, un frisson te saisira et toute la nuit tes songes seront fous. Écoute encore, donne tes mains dans les miennes.
si tu suivais dans mon pays un petit chemin que je connais, jaune et bordé de digitales d'un rose brûlant, tu croirais gravir le sentier enchanté qui mène hors de la vie. Le chant bondissant des frelons fourrés de velours t'y entraîne et bat tes oreilles comme le sang même de ton cœur, jusqu'à la forêt là-haut où finit le monde. C'est une forêt ancienne, oubliée des hommes et toute pareille au paradis. Écoute bien, car comme te voilà pâle et les yeux grands, que t'ai-je dit ? Je ne sais plus, je parlais de mon pays pour oublier la mer et le vent. Te voilà pâle avec des yeux jaloux. Tu me rappelles à toi et tu me sens si lointaine. Il faut que je refasse le chemin. Il faut qu'une fois encore j'arrache de mon pays toutes mes racines qui saignent. Me voici de nouveau, je t'appartiens. Je ne voulais qu'oublier le vent et la mer. J'ai parlé en songe, que t'ai-je dit ? Ne le crois pas, je t'ai parlé sans doute d'un pays de merveilles, où la saveur de l'air enivre. Ne le crois pas, n'y va pas, tu le chercherais en vain. Tu ne verrais qu'une campagne un peu triste, qu'assombrissent les forêts, un village paisible et pauvre, une vallée humide, une montagne bleuâtre et nue, qui ne nourrit pas même les chèvres.
ça pour l'instant. C'est pas sûr que ça soit définitif.